Salut, salut. Donc maintenant, avec la séance de correction des exercices de je m'évalue concernant la leçon de grammaire, expansion et réduction de la phrase. Donc je parle des exercices à la page 173 de la rubrique je m'évalue. Donc 10, souligne les phrases qu'on ne peut pas réduire. Donc on va souligner ici, nous avons 4 phrases. Mais on ne va souligner que les phrases qui sont minimales, ça veut dire auxquelles on ne peut pas toucher. Les nouveaux robots sont puissants. Donc, qu'est-ce qu'on peut supprimer ici? On peut supprimer nouveau par exemple. Donc, ce n'est pas essentiel. Donc, on ne va pas souligner cette phrase. Les garçons aiment les consoles. Sujet. Verbe et le verbe a besoin de complément. Donc on ne peut rien supprimer. Les garçons aiment les consoles. Le train à grande vitesse roule à toute vitesse. Donc on peut dire juste le train roule à vitesse. Donc, on peut supprimer tout ça. Donc, on ne souligne pas cette phrase. L'ordinateur est indispensable. Donc, c'est une phrase minimale à laquelle on ne peut pas toucher, on ne peut rien supprimer. Donc, les deux phrases minimales, ce sont celles-là. Réduis ces phrases pour les rendre minimales. Donc, on va supprimer les groupes compléments et ne garder que les phrases qui sont oui, les mots qui sont essentiels. Hier soir, la télévision a diffusé un film documentaire. Donc, hier soir, c'est le temps. Donc, cherchons le verbe a diffusé. Qui a diffusé? C'est la télévision. Et quand je dis la télévision a diffusé, donc je m'attends à la suite. La télévision a diffusé quoi? Elle a diffusé un film. Donc la phrase minimale, c'est la télévision a diffusé un film. Voilà. C'est l'essentiel. Les enfants s'amusent avec une console de jeu à la maison. Donc, où est le verbe? C'est s'amuse. Qui s'amuse? Ce sont les enfants. Les enfants s'amusent. Donc, c'est une phrase complète. S'amuse n'a pas besoin d'un complément. Les enfants s'amusent. Point. C'est une phrase complète. Une fois par semaine, Salim joue avec ses amis. Donc, où est le verbe? C'est joue. Qui joue? C'est Salim. Quand je dis Salim joue, cette phrase a un sens. Donc, c'est bon, c'est une phrase minimale. Le grand téléviseur est accroché au mur du salon. Donc, qu'est-ce que je vais garder? Donc, le verbe est accroché. Qu'est-ce qui est accroché? C'est le téléviseur. J'ai pas besoin de savoir si c'est grand ou petit. Le téléviseur est accroché. Et voilà. Donc, c'est la phrase minimale. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Maintenant, c'est l'inverse. On va ajouter des groupes compléments. Laissons les phrases comme ça. Vous téléchargez, on peut ajouter ici chaque fin de semaine, ça veut dire le week-end, samedi, dimanche. Chaque fin de semaine, virgule, je supprime la majuscule, donc je mets V minuscule, minuscule. Vous téléchargez un jeu de quoi? Un jeu de société. Comme les mots croisés, exemple, un jeu de société, ou ça, sur votre
tablette pour s'amuser ou bien vous amuser. Vous amuser, c'est avec R, pardon, en famille. Ça veut dire que toute la famille s'amuse avec ce jeu de société. Chaque fin de semaine, vous téléchargez un jeu de société sur votre tablette pour vous amuser en famille. Mon père répare son ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mon père répare son ordinateur avec attention Comment ça? En supprimant les fichiers Donc les fichiers indésirables, par exemple, ça veut dire dont il n'a pas besoin. Mon père répare son ordinateur avec attention, avec soin, en supprimant les fichiers indésirables. Ça veut dire qu'ils ne servent plus à rien, dont il n'a plus besoin. Et ben voilà, de ce qui est de l'expansion et la réduction. Donc je répète, l'expansion, c'est ça. C'est l'ajout de compléments pour rendre une phrase minimale, pour l'ajout de compléments à une phrase minimale pour la rendre étendue. Et la réduction, c'est le contraire. C'est la suppression. On supprime les groupes compléments pour ne garder que les mots essentiels à la phrase et donner le moins de précision possible. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine avec une nouvelle leçon de conjugaison à l'air. Alors préparez-vous pour le futur. Allez, bye bye!